En dehors du maillot, si un rugby aussi, peu importe le sport, il y a toujours des parents, les frères et sœurs qui regardent. Mais ici, non, il n'y a jamais des parents autour qui nous regardent. C'est ça qui fait mal. Parce que moi, tout le match que j'ai joué, je n'ai jamais vu ma mère au stade, ni mon père, ni mon frère. Il n'y a pas de passion pour ça. Je ne sais pas, pourquoi. Il se dit toujours, on est des musulmans. C'est vrai, on est des musulmans, mais on peut faire des choses, beaucoup de choses, et ce n'est pas interdit, comme le sport. Plein de choses. Et aussi, bah, je dis toujours aux filles, le rugby, c'est pas fait juste pour les mecs. C'est fait pour tout le monde. Qu'ils soient petits ou grands, c'est pour tout le monde. Ces filles-là, c'est les filles d'équipe de France. Moi, j'adore les filles de France parce que j'ai joué deux fois avec eux. Avec le moins de 18 ans, on a fait un match international, un tournoi international à La Réunion. Le meilleur souvenir, c'est des plaquages. Parce que nous, les plaquages qu'on fait ici, ce n'est pas vraiment leur plaquage. Eux, là, qu'ils te rentrent et te rentrent. Et les rafis ici, pour nous, on dirait que c'est des caresses. Mais eux, là-bas, qu'ils te mettent un rafi, là, je dis, OK, je vais mettre un rafi. On te met un rafi, tu tombes jusqu'à là-bas. Là, c'est des beaux souvenirs parce qu'on a appris des choses. Parce que comme on nous a fait là-bas, on peut venir ici pour se venger avec les autres, les adversaires.